Pourquoi je fais cette tête? Aucune idée. Bonjour YouTube. On est parti. On ouvre la porte. On a refait des binds, hein. Ça devrait aller un peu mieux. Ah oui! Oh! Il a voulu tanker pour son pote, c'était une très mauvaise idée. Il y en a un qui s'est mis devant pour tanker pour son pote et c'était pas la chose à faire, je crois. Quelqu'un d'autre veut négocier? Oh, je sais, j'ai beaucoup trop fait cette blague. Oh, il a appris à négocier! On se le demande. Ce film-là est très bien aussi. En plus, on joue Bruce Willis, alors j'ai le droit. J'ai le droit. On dirait que j'ai le droit. Je suis trop lent. Je suis trop lent. On peut avancer beaucoup plus vite que ça. Je ramasse. Je suis perdu. Oh. Pourquoi pas? Bonjour. Ah, bah oui, c'est nos potes. Ah si, là. Voilà. Je préfère... C'est très con, mais j'aurais bien voulu l'incinérer, mais je peux pas. Le jeu veut pas que je tire. Je l'aurais bien incinéré, en fait. Je l'aurais bien... Ah bah c'est très bien YouTube, vous allez vous taper un temps de chargement que vous auriez pu vous éviter. Mais je pense que vous aimez ça. Le tapis de souris plus cher que souris. Eh, ça doit être à peu près le cas aussi. Bientôt le tuto make-up. Jamais. Placement de produit. Mais jamais de la vie. Allons-y. Ah si, il a récupéré le corps. Pas mal. C'est un hommage. Moi aussi, hein, mon tapis de souris vaut plus cher que la souris elle-même. Les liens sponsorisés, bien sûr. Alors, je suis sponsorisé par Durex, YouPorn, et c'est pas le moment de dire ce genre de conneries parce que c'est un moment dramatique norvégien. Respectons un minimum ce moment. Oh, bordel, ça fait mal. Arrêtez de trembler, vous voulez quelque chose pour la douleur? Non, je vais m'en remettre. Maintenant, écoutez-moi, Caroline avait un plan. Oui, la libération des États-Unis d'Amérique. Caroline voulait libérer les États-Unis et s'en servir de base pour délivrer le reste du monde. C'est ce qu'on va faire, peu importe les emmerdes qui nous attendent. Pour Caroline. J'ai bien le coup de qui leur met la tête en place. Arrête d'aider. Pourquoi est-ce qu'il y a une nazie à bord? Parce que sans cette nazie, on serait tous morts alors qu'il est... Donc on la tue pas. Sauf si elle essaie de nous baiser. Tu comptes nous baiser? Non, monsieur. Je ne suis pas une nazie. Plus maintenant. D'accord. Bon. Je ne... Il suffit Caroline, de le dire pour ne plus l'être. Avec un radio avec une cellule de résistance à New York. La seule façon d'avancer... En suivant ce plan, c'est de construire des alliances avec des groupes de résistance américains pour mobiliser le peuple. Tu veux dire à la révolte. Des alliances de toutes les ethnies? Vous voulez vous appeler alliance ethnique? Arrête, poil de Satan, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Tous les Allemands ne sont pas des nazis. Je suis entièrement d'accord avec cette phrase. J'entends des immersions. De nombreuses immersions. C'est Frau Engel. Quelqu'un peut me dire comment cette garce nous a trouvés? Allez, parle. Quelqu'un transmet votre position directement depuis votre sous-marin. Alors ça, c'est complètement fantastique. Lausmerz reçoit des messages de quelqu'un dans votre sous-marin. C'est comme ça qu'on vous a trouvé. Mais qui, putain? Section F. Quoi? Ok. Ok. Où est-elle? Où est-elle? La voilà. La section F. Section F? Quoi la section F? Mais il n'y a pas de section F. Les cartes ne sont pas à jour. Ça je connais cette théorie, référence aux espèces. Si elle existe, Rio me répond. Que quelqu'un s'y cachait et transmettait le signal. Allez voir ce qu'il en est. Moi, il faut que je m'allonge. Kendler, venez. Elle doit être là. Déplacez ses casiers.
Il faut quelqu'un qui... Ils sont plus que un. Qu'est-ce que tu vois? C'est soudé de l'intérieur. Yengele, hé! Tenez! Servez-vous de ça! Fergus m'a donné des idées d'amélioration. Je l'ai quelque peu modifié. Ouais, un fusil à proton, quoi. Il m'avait manqué. Ah, on récupère notre ça poste à souder thermique de la mort. Ah. Collectif d'anciens nazis. Le Lasercraftwerk. Appuyez sur 1 pour tirer et 1 pour viser. Appuyez sur E devant un générateur pour recharger. William, tu dois trouver le transmetteur et le désactiver, ou les grenades anti-sous-marines vont percer la coque. Ah, ils ont pas d'accord, ils ont pas refait comme dans l'autre où il y avait un mode soudage et un mode tirage qui rapporte à mon plumage. Là, tout est on est dans la laverie d'ailleurs. En panne, je suppose. Alors, mention spéciale quand même pour les sons qu'ils ont fait. Hein. Le petit pou. On s'est trompé. Sur le plan de la section F, il y a quelque chose qui ressemble à une petite buanderie. On a essayé de la trouver quand on fouillait le sous-marin que tu avais capturé, mais on n'a pas trouvé la porte d'entrée. Avec tous les problèmes qu'on avait à gérer, ah oui, bah du coup, c'est... je suppose qu'on n'a pas cherché plus que ça. Mais là, j'ai réexaminé les plans. Ouais. Et il fait référence à un document complètement différent. La c'est carte le mode du département ingénieur de la c'est section vrai. F. Je te rappelle dès que je l'ai trouvé. Ah, je rappelle que où est-ce qu'il a appris à négocier était quand même une sonde follow pendant un mois. Hein, parce que généralement, je change tous les mois le sonde follow. Et là, je dois avouer que j'ai pas changé depuis un moment. Il va falloir que je le fasse. Ils sont en train de discuter. Bonjour. Ah, ça, je m'en doutais qu'ils allaient me donner une hache. Infiltration. Grenaden. Souvenez-vous, Grenaden. Ça va partir en sus. Partir en sus, sus. En sus quoi? En sucette, oui, tout à fait. Quoi encore? Vous êtes combien à être des traîtres dans mon sous-marin, bordel? Excusez-moi, je me suis un petit peu acharné sur lui. J'avais envie. Bon, est-ce que c'est celui-là, du coup, qui... Non, c'est celui-là. J'avais l'impression qu'il faisait beaucoup plus mal. Peut-être. Carousel des armes? Oui. Voilà, 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 excusez-moi, là. Où êtes-vous? On n'aurait pas dû en capturer un, histoire de voir s'ils n'avaient pas des trucs à nous dire. Ah oui, donc en fait, il y avait quand même une grosse putain de session. Comment je change au laser? Ok, c'est vers le bas. Il n'y a pas moyen de découper ça? Ouais, j'aurais essayé. Multipass.
Lilou dans la moule qui passe. Toujours pas, hein, ouais. Qui fait d'ailleurs le doublage, hein? C'est pas le même qui fait le doublage de Bruce Willis dans le cinquième élément? Moi qui pensais que c'était un gros jeu de bourrin Wolfenstein. En fait, pas tant que ça. Ils alternent beaucoup infiltration et bourrinage. En fait, faut s'infiltrer pour tuer les capitaines pour éviter de déclencher l'alarme. Et la carte de l'ingénierie. Et après, c'est full. Des têtes nucléaires? Oh mon dieu. C'est full. La section F s'étend tout le long du sous-marin. Et c'est le plus grand sous-marin du monde. Autant dire qu'elle est gigantesque. Vu son volume énorme, une partie de la section doit servir de cuve à l'est principal. Quelque chose comme ça. Fais attention, William. L'endroit doit grouiller le nazi. Oui, d'accord. On est dans ce sous-marin depuis 5 mois. Hein. Je rappelle que j'étais 5 mois dans le coma. Mais en fait, il y avait plein de nazis traîtres qui se baladaient. Pourquoi j'avais le... Dans mon sous-marin. Sans manger ni boire. Après, c'était partie de membres d'équipage. Ça fait type Dishonored. Oui, voilà, ça fait... Ah oui. Ah oui, non, c'est quand même une session assez énorme. À quand du Slay the Spy? C'est marrant, hein, tout le monde dit « Slay the Spy, quand est-ce que t'en fais? Quand est-ce que t'en fais ?» Et personne ne s'est étonné de la disparition cette semaine de Divinity Original Sin 2. Hein? Non, non. J'en ferai peut-être ce week-end de Slay the Spy. Quand le dessin s'acharne. Donc peut-être ce week-end avec du PUBG, du machin, mais là la preuve de la semaine elle est prévue. Surtout mercredi où on va faire des jeux d'horreur. Dès. Parce que j'ai mis que Layer of Fear. Mais j'en ai un deuxième. Donc je sais pas, soit on en fera qu'un, soit on en fera deux. William, ces nazis se sont terrés là-dedans depuis que tu as capturé le sous-marin il y a 5 mois. Oui. Ils doivent être affamés et désespérés. Sois prudent, mon amour. Ok, ça c'est les packs, packs de protons. Faut pas croiser les effluves. Dix mètres. 13 mètres. En fait les deux, mais je pense qu'il y en a un qui est en bas, un qui est en haut. Bonjour. 17 mètres, 12 mètres, attendez. Et ils se réunissent et ils font une belote, ou alors c'est juste pour me casser les couilles. Ok, il y en a un qui est là-bas. Vous sentez que ça va partir en sucette? Très très vite d'ailleurs. Attendez, il est où l'autre? Il est là-haut! Voilà! Je me suis infiltré, c'est bon! Oh, c'est con ça! Bonjour! Où êtes-vous? Vous? Taisez-vous! William, oui. J'ai examiné de plus près le stock de têtes nucléaires de la section F. D'après la carte du département ingénierie, il y en a des dizaines. J'espère que les nazis ne les ont pas touchés. Oh, ça, c'est quand même dans le domaine de la négligence, là. Hein. Qu'est-ce que vous avez branlé pendant 5 mois, où moi j'étais un légumane,
et vous, vous étiez dans le sous-marin tranquillement à vous toucher la nouille. Alors, toi, ma petite chérie, t'es excusable, tu t'occupais de moi et de mon. Et de ma réhabilitation. Mais alors, les autres, qu'est-ce qu'ils ont branlé? Ils se sont dit, la section F, hop! Allez, c'est pas grave, on a paumé 14 têtes nucléaires, c'est pas un souci, après tout, on est en guerre contre une force multinationale et mondiale, y a pas de souci, quoi. Donc je pense à lancer des grenades, qui sont enfin rebindées sur une touche pour les grenades. Ah, c'est lui qui... Jorlin, je crois pas que je vais m'en sortir, il me reste quelques semaines avec de la chance, avec ta grâce. Oula, par contre, va falloir très vite arrêter ce côté très religieux. Voilà. Belle, belle infiltration. Alors, on va récolter 2-3 merdzouilles et puis on va aller péter la gueule. Mais pourquoi ça veut pas... Putain, ça me rend fou. Il y avait un truc que je voulais, c'était le seul que je pouvais pas atteindre. 18 mètres, t'es où? 14 mètres, t'es où? Radio nazi, droit devant. Il faut que j'arrive à y entrer. Oui, j'ai ce qu'il faut. Bonjour. C'est joli, ça part en fumée. Mais ça ne grille pas les codes de sécurité. Oh, c'est bien foutu la technologie. Hein. Ça fait le tri dans l'ADN des gens. C'est... Alors ça c'est un petit bout d'humain, je le détruis, ça c'est un petit bout d'humain, je le détruis, ça c'est un petit bout de papier, je laisse en vie. Par contre, ça c'est du tissu, attention, c'est du tissu nazi, donc je le vaporise. C'est bien foutu cette technologie quand même. C'est incroyable. Comment ça? Ta gueule c'est magique. D'accord. Personne n'a écrit ça dans le chat, hein. C'est moi-même qui le dis. Ah, pas cette porte-là par contre. Ouais, d'accord, bon, tire là-dessus, arrête de te poser des questions. Merci, William. La Hausse Merzer va perdre notre trace maintenant. Retourne à la salle des casiers. Bombay te fera sortir de là. Ouais, reviens en vie, ok. Très beaux effets, très beau bruit. Bonjour. Ah, d'accord, je pensais que c'était... Je t'ai vu. Je t'ai pété où, mais je t'ai vu. Attendez, les mecs. J'ai vu... Oh, t'as survécu à ça, toi, bravo. J'ai dézingué des mecs avec des armures de Terminator, et vous vous venez sans armes, et vous vous dites, je vais gagner. C'est quoi votre idée? C'est la supériorité d'esprit? Oh, si je me déplace trop vite, il tirera mal, et il va me rater suffisamment pour que je cours pendant 25 mètres pour le rusher, et lui donner un petit coup de couteau. Non, c'est quoi l'idée, en fait? Parce que à aucun moment, ils peuvent survivre. On est bien d'accord. Moi, je suis désolé. Je vois un mec qui se balade avec ça. Disons que je pars très, très, très loin. C'est... Et je me retourne pas, surtout. Alors, nazi, conviction, ce que vous voulez. Mais moi, je... Voilà. Non. Après, ils m'ont fait un peu mal, mais... Oui, bah, alors déjà que je me parle souvent moi-même, alors c'est vrai que si j'anticipe ce que va me dire le chat et que du coup il fait bon, bah le mec parle tout seul, je me casse et il n'oublie pas, je peux comprendre, mais non. Je vous lis, et comme je sais que vous, vous êtes dans le lit avec une main dans le slip et une autre là en train de se gratter parce que ça gratte parfois là, et ben j'anticipe, voilà. Cool, je peux faire une soudure? Bah non. Hein? J'ai un appareil à dessouder, mais ça ne fait que dessouder, ça ne soude pas. Je devrais me tirer d'ici. Faut que je me tire ailleurs.
Je charge d'abord. Dans un avion. Qui les oiseaux. Bonjour. Ouais, c'est exactement ça en plus. C'est bon, j'ai tué tout le monde. Bien joué, Blaskowitz. Viens. Tout le monde est rassemblé. Ah. Ah, ils vont... D'accord. Ils vont balancer une bombe de... Ok. C'est leur choix, Axe. Et nous le respectons. Je comme vous demande... ça. Une minute de silence pour Caroline. Tout ce qu'elle a connu, ressenti. Moi, je l'aurais vaporisé. Toute la merde qu'elle a enduré. Comme un corps de nazi, en fait, vaporisé, incinéré. Un missile, c'est bien aussi. Je suis sûr qu'elle aurait adoré des petites licornes aussi. Bon. Comme si ça n'avait jamais existé. Chérie, prends tout le temps que tu veux, mais à un moment donné, va voir Seth dans son atelier pour qu'il t'examine, s'il te plaît. Je m'inquiète vraiment pour toi. Oui, si je pouvais avoir plus que 50 HP, ça m'arrangerait. Ouais, je ferais mieux de manger quelque chose avant de m'évanouir. Alors, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en demi-teinte. C'est-à-dire, sur certains points, j'ai l'impression qu'ils ont amélioré le visage. Moi, il sait que je suis incurable. Oh. Ils l'ont amélioré sur certains points, mais j'ai... Voilà. J'ai pas l'impression qu'ils l'ont amélioré sur tout. Ah, c'est mignon, photo de famille. Tu t'apparais de couture. La femme parfaite. Bon, par contre, elle aurait pu faire le lit, hein, gros dégueulasse. Comment ça, elle est enceinte, machin, truc, couche. Oui. Alors, ça va être une phase, je suppose, Max. Dialogue. Il est temps. Max Hoss. Max, ne sois pas si triste. Je sais que tu aimes Rosa. Bacon. Mais c'est dans l'ordre des choses. Les cochons meurent pour que les hommes mangent. Nous n'avons plus de nourriture à lui donner. Il reste que de la nourriture pour les hommes. Carte à collectionner. Oh, je suis très content de tomber là-dessus. Du calme. Pour l'instant, ton cochon servira pas de nourriture. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu sais quoi ? La joie est un choix, Max. Souviens-toi de ça. Philosophie. Il aime vraiment ses crayons, Max. Tout mignon. Oui, hein, je rappelle. Non, je mange pas ces cookies, moi je suis pas comme ça. Non, moi je mange pas ces cookies, je mange pas les cookies des autres, j'attends qu'on me les offre. Ce foyer est parfait pour nous, Caroline. Tu as toujours pris les bonnes décisions. Bonjour madame. Qui êtes-vous? Putain, mais c'est un sacré sous-marin, hein. C'est pas 90 mecs dans 90 mètres carrés et ils dorment à tour de rôle, hein. C'est quand même... C'est le Titanic. Hein, c'est 14 piscines... Ah, je suis déjà arrivé. Ok, cool. Bah, c'est bien, je suis arrivé directement à destination. Mais oui, c'est vrai que on sait jamais si ça tombe. Ça pourrait faire du bruit, hein. Autant les empiler par deux, comme ça, si ça tombe, ça explose, et on est tous morts. C'est cool. Franchement, j'ai que ça à branler. Allez. Potentiellement, peut-être, c'est chez moi. Repérer les lieux, parce que si un jour il y a combat, on sera bien content. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage 3 ? Fergus ? Bonjour. Capitaine, mon ami. Soyez sûr de vous, capitaine. Avec le bon état d'esprit, vous pourrez surmonter toutes les épreuves. Ouais. Qu'est-ce que tu branles là? Alors j'aime bien tes chaussures, hein, j'ai les mêmes. Et connaissez vos ennemis, capitaine. Je pense qu'il Mais qu'est-ce que tu fais tout seul dans le noir avec une arme? Bon, disons, voilà, à première vue, ça fait pas penser à de la gaieté, quoi. Courage à toi, mon ami.
la guerre est bientôt finie. Je vais y mettre un terme. Petit casque de chantier, Joe. Ok, j'ai fait le tour. On va juste aller voir à l'étage, pardon. Et on va revenir voir cette... Est-ce que je peux mourir ? Oui. Hey, j'avais envie de tester. Damn, ouais. Seth, il le sait autant que moi. Il sait que un jour, si je suis sur le développement d'un jeu, tu nous refais Allez, le dialogue Max. En entier, c'est ça, oui. Il si aime je fais vraiment ses crayons, Max. Oui. Si je fais un jeu, je ferai un trophée juste pour ce genre de conneries, genre mourir au tutoriel. Ou tutoriel, comme vous préférez. Je vais juste vérifier que ça a bien compté ce les cartes. Foyer est parfait pour nous, Caroline. Tu as toujours pris les bonnes décisions. D'autres l'ont fait, hein. Je sais qu'il y a des trophées à la con sur Steam. Pourquoi Seth nous laisse toujours tant de bazar à nettoyer ? Je sais pas trop. J'imagine qu'il doit y avoir des choses plus importantes à faire. Hey ! Vous pourriez poursuivre votre conversation ailleurs, bande de glands. On finira plus tard. Après, du coup, ça doit être marrant de faire voir ce que ça donne avec le gamin. Des jours bien, des jours moins bien, Irina. Mais ces cachets me donnent un mal de tête inconcevable. On s'en branle. Qu'est-ce qui se passerait si vous ne preniez pas vos cachets? J'arrive pas à croire que Caroline soit morte. Qui va prendre sa place? La boule de nerf écossaise, je suppose. En intérim, tu veux dire? Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un de plus compétent? J'en sais rien, moi. Putain, le sous-marin est quand même méga grand et ça doit être le poste de notre chérie à nous. Quel âge? 56 ans, elle fait plus. Désolé, ça se dit pas aux femmes, mais à toi ça se dit. Hein. Avec une belle carte des États-Unis. Oh, ça, je suis en train de me demander si c'était pas la cabine de Caroline. Ah, peut-être. Bon allez. Oh, il y a de la love. Il y a de la love machine dans... Putain, tellement de choses à ramasser. I'm a love machine. J'aime écouter de la musique dans les moments tristes. Vous aimez oui, du la coup, musique. Tu te dis, je vais aller au Tirol. Yolala, yolala. Et puis bien sûr un décolleté, hein, histoire de... Hein. Après tout, on n'est qu'en guerre. Qui est là-dedans? C'est Sangoku. C'est Sangoku qui est là-dedans. Il est en train de se régénérer, il va revenir en Super Saiyan. Mais il n'y a plus de... Mais il n'y a plus de tête. Non. Ça c'était des expériences du docteur Mengele. Hein? Tu seras gentil, tu feras attention à toi quand même, Seth. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce n'est pas un truc, Shimshan. Ce n'est pas un truc. C'est la tête de Shoshana, mon châssis à moi adoré, sur le corps d'un sapajou. C'est exactement ça. C'est les expériences. Mal, c'est une gentille Ingle. Vous savez, j'ai trouvé Shoshana dans la salle du réacteur. Elle y chassait les rats quand nous avons pris possession du sous-marin. Quelques mois plus tard, elle mourait d'un cancer des intestins. Quand je suis tombé sur ce singe, en quasi-mort cérébrale, il mâchouillait un détonateur obélisque. Oh, rendez-moi service, monsieur Blaskovitz. Baissez cette vache. Vous me faites peur. Il ne s'agit pas seulement de mon animal de compagnie. Non, il s'agit sans doute et surtout de mon expérience scientifique la plus réussie. Mais oui, tu es importante. Tu as faim. Tiens, un fichier. Vous comprenez, pour réussir la transplantation d'une tête entre deux espèces, vous devez commencer par relier les colonnes vertébrales. Elle va bien. Et ensuite, harmoniser l'ensemble des systèmes biologiques récalcitrants, qu'ils soient respiratoires ou circulatoires. C'est quelque chose d'horrible, en fait. Épargnez-moi le ça a été des vraies expériences on dirait un vieux d'un des plus grands criminels de guerre qui n'a jamais été arrêté de son vivant. Parce qu'on l'a retrouvé mort il y a quelques années dormir, en Argentine, non, qui est le docteur Mengele. J'ai vu un reportage il y a très peu de temps dessus. C'est absolument horrible. Il a fait des expériences horribles, dont ce genre de choses. Mais
des transplantations interespèces, si vous faites ce que vous voulez. Écoutez, il y a quelques jours, Anya m'a demandé de créer un stand de tir pour les combattants à bord. Il est presque terminé. Mais je faisais des essais avec un vieux drone allemand destiné à l'entraînement à la visée. Un stand de tir dans un sous-marin. Quand cette machine s'est muée en Adolf Hitler et a commencé à courir comme une méchagonée. Alors, j'ai dû l'enfermer. Ça vous embêterait d'entrer là-dedans pour détruire le drone? N'hésitez pas à essayer le stand de tir, vous m'en direz des nouvelles. Revenez me voir quand vous aurez terminé, d'accord? Ok, je vais regarder ça. J'apprécie le geste, merci. Non, et du coup, je me demande si le jeu a fait ça volontairement, peut-être, pour souligner que, bah, un peu le... Voilà, c'est pas parce qu'on est en guerre qu'on peut s'autoriser à faire des expériences qu'on ne ferait pas en temps normal. Ce n'est pas parce que, voilà... Ça m'étonnerait que le jeu a cette envie ou cette profondeur, mais quand même, quoi, c'est... Simpson, s'il vous plaît, occupez-vous du drone devenu cinglé au stand de tir. Merci. Ouais. Stand de tir. Et un stand de tir dans un sous-marin, croyez-moi, jamais de la vie. C'est du métal, les balles, ça rebondit. Tu pètes une vitre... Non, jamais un stand de tir dans un sous-marin. Ne pas obligé de courir après, pas vrai? Kit d'amélioration, ok. Ne jamais précipiter son tir. Tirer juste. Alors par contre, c'était quoi ce kit arme? C'était quoi ce kit d'amélioration à la con, là? Ah! Lunettes! Batterie améliorée, surcharge. Lunettes. Attendez, j'ai fait non, pardon. Lunettes? Oui. Batterie améliorée? Ah oui, il faut des kits d'amélioration. Est-ce que je peux faire ça sur toutes les armes? Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il faut le silencieux. Ah, d'accord. Arme lourde. Donc c'est les grenades, donc au final j'ai équipé une lunette, ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais dû équiper plutôt une silencieuse sur une des armes. Silencieux intégral par exemple, ça aurait été beaucoup plus intelligent je pense. Oui, alors je ferai celui-là, silencieux intégral. La prochaine fois là j'ai un zoom, super. Et ben je regrette, c'est une amélioration de merde. Hey, ça se plante. Raté. Bon, est-ce que je me fais humilier en tirant là-dessus? Comment? Ok, non, pas encore. Faut que je lui cours après, visiblement. C'est quoi? Cette arme-là. Absolument pas, très bien. Verrouillé. Ok, ça doit être pour débloquer des high scores à la con. Il est où? Mais sérieusement, il est où? Eh? Merci. Content de moi, j'ai trouvé un raccourci vers quelque chose que je peux faire en sautant par-dessus le comptoir. Non, j'ai déjà. Seth doit faire plus attention avec ses expériences. Oui, sans deck. Oh. Comment je fais pour le toucher, lui? Ok. Ah, ça doit être un... D'accord. Si on avance, tac, 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 boum, boum. Ouais, c'est ça, boum, boum. Ok. Et ça, c'est chrono. Ok, je comprenais pas le truc. D'accord. Tac, on avance, on avance. Eh, ça peut être rigolo, mine de rien. Hein.
On avance, on dérape. Toc. Y'a quoi là-haut? Ça doit être assez surprenant de devoir faire ça. Je pense qu'il faut connaître la route par cœur et... Ouais, c'est ça, ça nous dit... Allez, vas-y, essaye. Ah, ça doit être ça. Non ? Je fais n'importe quoi, c'est... Si, le chien ? Pas du tout. J'ai annulé, oui j'ai annulé. En fait, là, c'est ça, faut pas passer là. Rechargeons et go. Oh merde, j'ai pas eu celui du fond. Oui ? Où est la difficulté là? Je comprends pas, 75. Ouais, ouais, faut viser la tête, faut faire plus de points, faut faire quoi là? Parce que là c'est assez chiant hein. Je préfère l'autre à mon avis où on court. Ouais, ouais. Super. Et la limite c'est quoi? 500? J'en ai peut-être raté 1, 2. Et... Ouais. Super, cool, je veux dire. Méga gros. Everybody! Top des... Moi, capitaine. T'étais là depuis le début? Putain, je t'ai pas vu. Oh merde! Ah bah je suis désolé. Voyons ce que cette antiquité a dans le ventre. Par contre, j'avais pas un truc pour recharger l'électricité de mes machins là. Bon, en vrai, ça m'emmerde. Allez! Stand de tir, oui, ok. Et c'est quoi la suite? Retournez voir 7. Très bien. Je ferai ça sur mon temps libre. Oui, ta gueule. Ah, mais d'accord. C'est moi le capitaine. Oui. En même temps, c'est une certaine... Alors, ce stand de tir. C'est de la merde. Ah, très bien, Yingle. Vous êtes un sacré numéro. À Blaskowitz, votre dame Anya, elle vous cherchait tout à l'heure. Oh, oui. Anya a trouvé les notes de Caroline sur la cellule de résistance de New York. Allez la voir, elle est dans la chambre de Caroline. Y'a la choucroute. Elle est dans la chambre de Caroline. Alors la chambre de Caroline, il me semble que je l'avais repérée, mais j'ai déjà oublié. D'accord. Que t'arrive-t-il? Je sens toujours son odeur. J'ai trouvé les notes de Caroline sur le réseau de résistance. Paf, comment interrompre quelqu'un? J'ai leur position exacte. Tu veux bien chercher Fergus pour moi? Il est enfin remis sur pied après l'opération et je lui ai demandé d'aller me chercher de la nitroglycérine au dépôt de munitions. Mais il est toujours pas revenu. Va au dépôt, près du stand de tir et retrouve-le. Il faut rassembler tout le monde pour préparer notre prochaine action. Nous sommes presque arrivés à New York. Ça, c'est une grosse façon de nous faire visiter le sous-marin, de façon à ce qu'on se familiarise avec les... avec le bâtiment. Comment lui dire que je vais te rejoindre, Caroline, et la faire regarder mes derniers instants? Elle le sait peut-être déjà, mais fait semblant de l'ignorer, comme moi. Ouais, donc il est mourant, ouais, je suppose, dû aux intestins. Qu'est-ce qu'il y avait planqué là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a planqué là? Où est-ce que je vais? Où est-ce que tu vas? Chimchon.
D'accord. Youpi ! Je peux aller là. Oui, je peux aller là. Eh bien, vous verrez la suite des aventures dans le prochain épisode, bien sûr YouTube. Des bisous, à tout de suite !